plus, tu attends deux fois plus. C'est ça. Donc comme il est à côté, du coup, je suis un peu plus. Donc ça, c'est le premier effet qu'on a dans la première scène. D'accord. Donc là, le train, il tourne et il vient se positionner. Là, on est rendu dans la scène des flammes. Mm-hmm. Là, on a un stand-by, on a une temporisation à temps. Ah, c'est une temporisation, c'est même pas par capteur, du coup. Non, on a une tempo et après un capteur. D'accord. Il travaillait avec Yves. D'accord, ok. Et Yves s'occupe de tout ce qui est site internet. C'est vraiment juste du métal sur le capteur. Ouais. Là, on rentre dans la zone de la Tesla. Et hop, on arrive sur la scène 4 devant les cockpits. D'accord. Là, on est juste avant le launcher. J'entends mieux quand on est dedans. Pas enfin, quoi que je finis par avoir des doutes. Quand je vous vois, j'ai l'impression de me mettre dessous. En fait. Bah non, c'est même la... c'est même la première fois qu'on découvre le dessous avant de faire, je crois. Ah ouais. Ouais, parce que d'habitude, on aimerait, ouais, voilà. C'est vrai qu'on fait différemment. Là, on se repositionne pour le lunch, donc là, on arrive dans le lunch 1. Et là, on va partir en pleine vitesse. Et bah, quand il va accélérer, on va passer devant ce capteur-là et on va débrayer. C'est-à-dire que là, le train, en fait, il sera libre. D'accord.